Mon grand-père avait 12 femmes. Et mon père avait sa petite plantation, en avait eu 15. Moi, avec toute la fortune dont je suis dépositaire, je n'ai que vous deux. Mais vous vous arrangez à faire de moi un bourgeois mécontent. De nos jours, on ne débarque pas chez les gens comme ça. Et pour ma part, elle doit retourner d'où elle vient. C'est de ma mère dont tu parles? Elle n'a pas sa place ici maintenant, je te l'ai dit. Quoi? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Je ne jouerai pas à ton jeu. Mais moi, je ne joue pas avec toi. Et quand serait-il si la ménopause me surprenait, Gérard? Quelque chose me dit que d'ici peu, ta famille s'abattra sur moi comme un essaim d'abeille pour t'imposer à prendre une seconde épouse. Edwige, les choses n'arrivent jamais au hasard. Nous les attirons toujours par nos pensées. Chérie, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas te déranger. Mais tu ne comprends pas. Alex! Tu fais quoi encore là alors que l'entrepreneur t'attend pour le choix des matériaux? Mais j'étais sur le point de partir. Au point de partir, tu le dis. Avec tout ça, tu appelles qui ça? Si je prends une autre femme, c'est la polygamie. Et alors? Est-ce que c'est un crime? Même dans la Bible, il ne figure nulle part qu'il ne faut pas épouser plusieurs femmes.